So hello everyone, bonjour tout le monde and welcome to Concordia University's fourth space. Thank you for joining us in celebrating and discovering the diversity and scope of research within the Faculty of Arts and Science. I'll pass it over to our speakers in a minute, but first, just to help situate you, we are streaming to YouTube live from fourth space, which is located on unceded indigenous lands here in Jagé, Montreal. And we'd like to extend our gratitude to the Kanyankahaga Nation, who are the caretakers for the lands and waters we are meeting on, for their teachings about the earth and our relations. At Fourth Space, we work with our university community to mobilize and exchange knowledge by co-creating daily activities. And so today, it's our pleasure to have collaborated once again with Rebecca Ackman and Associate Dean of Research and today's host, Patrick LaRue, to make these conversations possible. And on that note, I'll pass it over to you, Patrick, to introduce and welcome in your guests. Thank you, Anna. And welcome everyone, bienvenue tout le monde, to this first edition of Research and Conversation 2023. Cette conversation se déroulera en français. Donc, on a convenu avec les collègues Gilbert Raymond et Sylvia Kérouz que ça se passera en français. C'est notre langue usuelle, première, même si on est maternelle. Mais est-ce que c'est la langue maternelle? C'est plus compliqué. Ouais, oui, c'est la deuxième. La deuxième. Et effectivement, on est à Concordia, où ça se passe surtout en anglais. Mais on en profite quand même pour pouvoir rejoindre les collègues ici au Québec et à l'étranger, en français. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir, chers collègues. Donc, Gilbert Raymond, professeur agréé Applied Human Sciences, ici à la faculté Arts et Sciences à Concordia, et Sylvia Kérouz, professeur titulaire en sociologie et anthropologie. Bon, on se connaît un tout petit peu, on s'est fréquenté à diverses occasions, et une de ces occasions était justement un groupe de recherche sur le risque. Et bon, vous le savez, je suis vraiment aux antipodes en études françaises et en anglais, mais je m'intéresse donc aux arts de la scène et notamment au cirque contemporain, donc une prise de risque physique, une prise de risque spectacularisée et spectaculaire, alors que vous étudiez le risque, mais vraiment d'une toute autre façon, j'ai l'impression. On aura le temps de fouiller un peu et de voir donc comment se manifestent ces recherches. Donc, je vous présente brièvement pour ceux qui vous suivent pas forcément à la lettre. Donc, Gilbert Raymond, professeur agréé donc en Applied Human Sciences. Vous travaillez donc sur la recherche qui porte sur la prévention, la culture homosexuelle, la dynamique locale aussi, les idéologies, politique sociale, recherche aussi particulière sur l'impact du VIH aussi sur les communautés. Et je suis assez interpellé, intéressé par votre rapport aussi très proximal à la communauté. Ou aux communautés, on pourrait dire. Vous avez fait donc beaucoup de recherches, je le disais, sur des enjeux donc dans la communauté homosexuelle, mais vous avez aussi, au cours des dernières années, j'ai remarqué, écrit des rapports plus particulièrement sur la marge de la marge. C'était le titre d'une conférence que vous aviez présentée, et vous avez écrit un rapport donc pour le ministère de la Justice sur la bispiritualité, la diversité sexuelle et genrée. Et les marqueurs aussi d'homophobie, particulièrement dans la société québécoise par rapport aux Autochtones, et on y reviendra dans quelques moments. Et aussi, vous avez étudié donc l'exclusion des personnes autochtones en situation de précarité. Je suis assez étonné, en parcourant votre CV, que vous avez d'abord fait des études en mathématiques, et pas n'importe quelle mathématique, en audit, vraiment des études extrêmement poussées. Vous avez travaillé donc au gouvernement, vous avez fait une maîtrise en mathématiques appliquées, en statistiques, et vous avez travaillé effectivement donc de nombreuses années dans ce milieu-là, où on vous obligeait à porter la cravate, on s'en parlait avant d'entrer en onde. Mais vous avez aussi, à un moment donné, bifurqué vers
un doctorat en communication et ouvert donc tout un pan de recherche qui vous a amené donc à Concordia et Applied Human Sciences. Sylvia Quérouz, professeure titulaire donc en sociologie, anthropologie, détentrice aussi d'une chaire de recherche assez impressionnante, spectaculaire aussi par ses retombées et son retentissement. Donc, c'est une chaire de recherche sur l'étude du jeu, donc FRQ, mais qui est vraiment pensée en fonction de retour, et vous nous en parlerez, d'un retour réel auprès de la communauté aussi. Vous avez donc publié dans le domaine de la sociologie, mais aussi du côté du droit. Donc, vous avez, si je ne m'abuse, remporté un prix pour un article récemment, un article dans un cadre juridique. Oui, sur la régulation du jeu en ligne, entre la gouvernementalité et les idéologies derrière cette initiative du gouvernement de réguler le web, en fait, et de réguler le jeu en ligne. Donc régulation gouvernementale du web, du jeu en ligne, puis éventuellement, on a quand même une quarantaine de minutes, on pourrait revenir donc à certains développements qu'on a vus dans les médias, par exemple. Il y a une certaine régulation en ligne, mais on est en train de recalibrer, recadrer, redéfinir aussi l'accès au jeu dans d'autres temples du jeu, notamment au Centre Bell, oui. Ça s'était évoqué. Le temple de renommée. Oui. Le temple de renommée, oui. Le temple du hockey et le temple du jeu, paraît-il, potentiellement. Je pourrais parler de toutes vos réalisations. Peut-être je m'en tiendrai à mentionner que, donc, à la base, vous êtes formé en psychologie sociale. Et vous vous retrouvez aujourd'hui dans un département de sociologie et d'anthropologie avec un intérêt marqué donc pour le jeu, pour les différentes prises de risque, on y reviendra. Très bientôt, je ne sais pas à quel point c'est public, mais vous développez un casino expérimental aussi. Oui. Et là, on est dans une nouvelle logique de recherche appliquée. Oui. Pourriez-vous nous parler un tout petit peu de ça? Certainement. Je veux juste dire que mon parcours est très multidisciplinaire, et effectivement. Et je pense que c'est ce que je trouve d'intéressant dans mon travail, plusieurs visions qui se concrétisent dans mes travaux. Puis certainement que récemment, et depuis plusieurs années, en fait, je me concentre plus dans une perspective sociologique, santé publique critique, je dirais. Et ce projet-là, auquel on a réfléchi, puis je travaille beaucoup en lien avec mon collègue en sociologie, Martin French, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on va pouvoir expérimenter le social. Et il y a beaucoup de laboratoires qui existent dans le monde qui travaillent beaucoup plus sur la psychophysiologie, sur les réactions physiologiques face à la prise de risque, au jeu. Donc, on connecte des gens avec des électrodes dans le cerveau, sur le corps, etc. Et c'est très intéressant, puis ça aboutit à beaucoup de résultats qui nous inspirent. Mais nous, on voulait aller chercher un peu la dimension sociale qui est complètement négligée. Donc, le contexte de jeu. Comment les gens se interagissent autour d'une activité qui les rassemble. Des fois, comment est-ce qu'eux, ils passent leur temps en solitaire aussi. Donc, on a pensé, pourquoi pas, oser proposer un projet pour un financement, pour créer un espace qui va nous permettre de mettre les gens dans des situations. On va avoir des consoles de jeu, on va avoir une simulation d'un espace qui existe déjà dans le casino de Montréal et dans un autre casino au lac Limy, où les gens, contrairement au modèle traditionnel où les personnes se mettent autour d'une table, ils sont comme, c'est impersonnel, la zone, c'est un nouvel espace au casino où les gens se retrouvent ensemble autour d'une table de jeu, une console de jeu. C'est digital, c'est électronique.
Et le jeu n'est pas vraiment le point central, c'est vraiment le rassemblement. Et toutes ces consoles-là sont connectées. Donc on peut avoir 50 personnes en train de de jouer en même temps sur le même Vous, jeu. vous travaillez. Moi, je Je travaille. joue. Qui sont en train de jouer sur le même jeu avec une animation. C'est comme il y a un DJ qui fait de l'animation, Ah oui. etc. Donc on introduit une dimension ludique, une dimension sociale. Puis on voulait aller explorer. Est-ce que c'est la nouvelle façon d'attirer les jeunes aussi vers le casino parce qu'ils ne sont pas intéressés à être derrière une machine à sous, dans un fond sombre, etc. Donc cette surstimulation. Ouais. Et ce laboratoire va permettre de faire ça. Donc c'est super connecté, hyper connecté, avec des grands écrans tout autour, des consoles de jeux. Et puis nous, ce qui nous intéresse, parce que oui, je fais de lapsus, mais ce qu'on va faire, on va mettre des caméras et on va mettre des micros partout et on va enregistrer puis analyser après. Et faire un retour peut-être avec nos participants pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé à des moments précis, D'accord. lorsqu'il y a un gain, lorsqu'il y a une expérience quelconque durant l'épisode de jeu. Et ces participants, donc, entrent en connaissance de cause, ils Oui. signent un Ah, c'est protocole, sûr. etc. Et donc, on est dans un contexte quand même assez ciblé, assez particulier. Comment est-ce qu'on peut les aider à oublier qu'ils sont observés? Parce que le casino a aussi souvent de l'alcool, Oui. des spectacles, toutes On sortes de aurait aimé distractions. offrir de Ah oui, l'alcool, mais je carrément, pense oui. qu'on est sur le campus, on va un Oui, peu avoir une gêne par rapport à ça, d'accord. mais je pense que ce qu'on fait dans cette ce qu'on a Je pense, en tout cas, on voit l'ouverture va nous démontrer si ça va marcher, mais on est assez confiant qu'on a créé une ambiance quand même assez apaisante, assez relaxe. Et je pense que je dois dire qu'il y a eu une équipe extraordinaire ici à Concordia en termes de TI, de soutien audiovisuel, etc., qui nous ont permis de trouver des solutions pour cacher nos caméras. Le répondant va être en mesure, il va consentir, il sait qu'il est observé. Mais on veut qu'après peut-être 3, 4, 5 minutes, il oublie ça, puis il se plonge dans le jeu. Donc les caméras sont cachées, les micros sont très cachés. Et il y a une salle d'observation extérieure qui va nous permettre de faire du zoom in, zoom out, focus, pas focus, etc. Donc c'est vraiment super sophistiqué comme mécanisme. Mais j'aimerais rajouter juste par rapport à cet espace-là, on est très fiers de faire de l'expérimentation, mais je pense aussi le deuxième volet, souvent on en parle moins. On l'appelle un collaboratoire. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est d'inviter des acteurs clés, des décideurs, soit au niveau gouvernemental, soit au niveau du terrain, etc., de venir s'approprier nos recherches aussi. Et donc, on va les faire jouer occasionnellement, on va visualiser un peu les résultats pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'expérience du joueur. Donc, la voix du citoyen, la voix du joueur, va être bien entendue dans ce collaboratoire-là. Et l'idée, c'est en amenant plusieurs acteurs autour de la table, on n'est plus dans une position hiérarchique de chercheurs qui produisent des connaissances. Puis après, bon, on a une exigence de faire un transfert de connaissances, on rédige un petit document synthèse. Ça va être vraiment souvent en co-construction. Donc, on va les impliquer dans la recherche elle-même. Donc, c'est une forme de démocratisation de la connaissance, mais aussi de la co-construction du savoir. Y a-t-il un danger ou certains risques envisagés à pratiquer une telle recherche en milieu universitaire aussi, ou est-ce qu'on imagine, par exemple, que des étudiants qui n'auraient jamais pensé d'aller au casino, mettons, Oui. parce que c'est ringard, c'est d'une autre génération, etc., est-ce qu'on pourrait à tout hasard envisager donc un intérêt De susciter peut-être l'intérêt chez les de gens. société, mais aussi un développement d'un intérêt pour le Oui. jeu qu'il n'aurait pas eu sinon. Donc, je pose la question hypothétique, évidemment, Euh, mais. il y a toujours ce risque-là, mais certainement qu'on est bien équipé. On a une équipe multidisciplinaire dans ce projet-là. On va soutenir comme on le fait dans tous les projets. Si les gens manifestent un certain inconfort, parce que aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes qui vont venir Ben oui, participer. c'est Et clair, là, c'est vraiment une porte pour eux pour cogner, pour dire j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aide. oui. D'accord. Donc, on a toute cette infrastructure de cliniciens. On est très réseauté dans le réseau de la santé services sociaux. Donc, on a des cliniciens qui œuvrent dans le domaine de l'intervention auprès des joueurs.
qui vont être toujours disponibles. Donc, il y a à la fois une recherche empirique, appliquée, expérientielle, donc sur les différentes pratiques, mais il y a aussi un niveau d'intervention sociale assumé par la chaire de recherche et par l'université, donc pour faire ces suivis, si j'ai bien compris. Absolument. Puis j'aimerais juste dire aussi qu'on étend la recherche. Vous savez, on a tous nos téléphones intelligents, puis il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur Bien ces sûr. Oui. téléphones-là. Donc on est de plus en plus intéressé aussi par les jeux mobiles. Donc cet Ouais. espace-là va nous permettre aussi d'explorer, d'innover à ce niveau-là avec des technologies qui n'étaient pas là il y a 10 ans, 20 ans, et de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve en fait. Pour les jeunes et les moins jeunes. Tout à fait. Merci. Ben Raymond, vous êtes tout autant impliqué donc dans des recherches près de la communauté. Donc, Sylvia nous parlait de son parcours en slalom et j'évoquais tout à l'heure donc votre passage aussi du côté des stats, des mathématiques. Si je ne m'abuse, vous avez aussi fait du bénévolat auprès d'une équipe de nage synchronisée. Donc vous avez également comme accumulé de nombreuses expériences. Pourriez-vous nous parler un tout petit peu de ces expériences et en quoi elles conditionnent, articulent vos recherches actuellement auprès de la communauté? Je ne me vois pas faire de la recherche sur une communauté. Je me vois faire des recherches avec la communauté. La plupart des recherches que j'ai faites sont venues d'un besoin de la communauté de se connaître, de savoir comment elle allait, comment ça se passait. Puis, si on en revient à la notion de risque, ça revient aussi un peu à ce collaboratoire. L'idée, c'est d'établir une espèce d'échelle dans la situation, dans les risques et ces choses-là. C'est pas parce qu'on touche à l'homosexualité qu'on est à risque de s'infecter au VIH définitivement, on l'est, mais c'est pas la gravité est pas comme si on en consommait tous les jours sans condom. Et la même chose pour le jeu. On peut aimer jouer, on apprend des choses en jouant, mais on n'est pas obligé d'être un joueur compulsif. Donc, il y a une extrémité qui est la dépendance, comment dire, d'aborder des choses sans mesurer son risque, qui sont la part à laquelle il faut contribuer. Parce que notre travail, quand on travaille avec une communauté, c'est aussi d'établir la normalité. Et puis, qu'est-ce qui en dépasse? Puis, qu'est-ce qui, à un moment donné, devrait devenir une alarme? Mais en matière sexuelle, je pense que je ne vous apprendrai pas que vous êtes un être sexuel comme moi, comme toutes les personnes qui sont nées. Juste le fait d'exister est le fruit d'un acte sexuel. Tout à fait. Alors, il faut quand même accepter que ça fasse partie de la vie. Si on lève le nez sur toute la sexualité, parce que c'est moralement inadmissible, puis on fait la même chose avec les gens qui jouent au parchésie, autant que les gens qui jouent à la roulette jusqu'à temps qu'ils vident la poche de leur voisin et puis celle de leurs parents en même temps. Si on amalgame ces choses-là, on ne comprend plus. Mais c'est ça qui est intéressant à aider les gens à comprendre qu'on peut avoir une vie normale, qu'on peut vivre ces choses-là, puis qu'on peut relativiser ce risque, ces façons de vivre et puis de se positionner. Vous évoquez quelque chose d'extrêmement important, ce rapport qu'on a dans la société, mais aussi individuellement, à une certaine moralité, un certain jugement qu'on va porter sur des comportements à risque. Et tous les deux, je pense qu'on le voit, vous n'êtes absolument pas dans le jugement, vous n'êtes pas forcément dans une approche correctrice, vous êtes vraiment dans une approche visant à comprendre. Est-ce qu'on peut, dans ce cas-ci, donc, envisager, anticiper que la forme de recherche donc en cours
aux créations en co-recherche avec les communautés. Puis vous avez raison, Gilbert, de mentionner que ce ne sont pas des recherches sur, mais vraiment avec la communauté. Donc, est-ce que ce cadre-là vous permet d'envisager la recherche autrement? Donc, par exemple, quels sont les cadres? Comment? Expliquez-nous comment ça se passe. D'abord, ça m'interdit de porter un jugement qui n'est pas éclairé. D'accord. Ouais. Je peux pas apporter ma morale ou quoi que ce soit qui juge les gens. Je viens de bloquer 90% de mon échantillon, de ma participation. Ensuite, ça dit aussi pour qui, comment dire, à qui on donne ces choses-là, qui va s'en approprier. Oui, c'est-à-dire les résultats de la recherche. Les résultats de la recherche ou même la façon de faire la recherche. Oui. Des fois, on fait une pratique, on fait un focus group, quelque chose comme ça, et soudainement, on se rend compte que 3 mois plus tard, ils ont fait un autre focus group, ils nous en ont même pas parlé, c'est pas une recherche pour eux, mais c'est une façon d'explorer, de mettre en dialogue, et ces choses-là, donc les gens apprennent à utiliser les outils de recherche, ouais. À se sentir compétents aussi. Donc, au sein même de la communauté. Oui, c'est ça. Ce qu'on fait quand on travaille avec une communauté, c'est qu'on lui donne, aussi la dignité de se comprendre, de s'assumer et de se positionner dans la société. Oui. Donc, on lui permet de dire, ben, nous, on est des gens qui sont homosexuels, qui avons une vie sexuelle X, Y, Z, et avec un risque relatif, contrôlé parce qu'on a de la PrEP, on a de la prophylaxie qui nous aide à prévenir le risque, parce qu'on utilise le condom, des choses comme ça. Mais on assume aussi qu'on a du plaisir, puis que c'est notre façon de vivre la sexualité. Ça permet aussi aux communautés de changer le sens de ce qu'elles font. On est passé d'une sexualité de reproduction à une sexualité de plus de plaisir, plus de relations aussi, et aussi de relations. Justement, parce que comme le jeu, on construit des relations, on construit notre façon d'interagir avec les gens à travers nos activités, que ce soit le jeu, le sexe, ou des choses comme ça, qui sont aussi des choses à risque, mais mes recherches me disent que souvent, le risque, on l'a réglé bien avant. On trouve un nouveau partenaire sexuel, c'est pas pour expérimenter le risque. Ouais, okay. Non, c'est parce qu'on voudrait tomber en amour. Ouais. C'est tout. Actuellement, ouais. Ça commence là. Okay. La même chose, j'imagine, pour le jeu. On va pas jouer. Le thrill peut être quelque chose, mais c'est peut-être pas ça qui est le fin fond du jeu. Ben, je pense que ce qu'on néglige beaucoup quand on parle de risque, c'est le plaisir. Parce qu'il n'y a personne qui, en partant, s'engage dans un comportement ou dans un projet en se disant « ça va me faire mal ben, ». L'être humain a une aversion à la douleur, qu'elle soit mentale, physique, psychologique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de plaisir. Quand je parle aux joueurs, ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment l'expérience, ils la recherchent. Et retourne continuellement. Maintenant, pour répondre à ta question, Patrick, moi, je pense que on fait la recherche différemment parce que faut qu'on soit conscient comme chercheur du pouvoir que la recherche a aussi. Parce qu'on est des producteurs de connaissances, que ça soit des données quantitatives, qualitatives, etc. Mais il y a quand même un pouvoir, il y a un respect pour la connaissance. Et je pense que en tout cas, moi, dans mes recherches, je sens l'obligation de porter la voix du joueur tout le temps. Donc, dans tous nos projets, il y a des comités, il y a l'implication du joueur. Parce qu'on peut construire. Le risque, c'est quelque chose qui se construit par la société. On ne s'est pas toujours positionné de la même façon par rapport à la consommation de substances. On ne s'est pas toujours positionné de la même façon par rapport au jeu, mais on s'est toujours positionné. Donc, il y a comme une construction, puis le risque pour nous comme chercheurs dans nos projets, c'est d'aller avec des constructions ou des visions, comme vous dites, un peu plus morales, ou des visions qui, juste par le fait que la recherche peut être morale aussi.
Donc, il y a quand même, immobilisatrice, tout à fait. Il y a toujours un genre de ligne directrice dans un domaine, puis la majorité des recherches se font dans cette ligne, selon ces lignes directrices, oui. qui se questionnent très peu, des fois. Donc, je pense que la réalisation que j'aimerais faire avec mes projets, c'est vraiment de toujours et avant tout, tout en étant rigoureux dans le travail, de porter la voix du joueur, son vécu expérientiel. Et c'est là que ça se passe. Donc, les données ne peuvent prendre tout leur sens sans avoir l'expérience du joueur, à mon sens. Y a-t-il un danger que vos données soient accaparées, appropriées de manière à aller à l'encontre de votre projet initial? C'est fragile. On travaille sur des domaines qui sont hautement politisés, spéculatifs et controversés. Ça, c'est continuel. Je voudrais revenir sur quelque chose sur la participation. Nous, on travaille avec des modèles, des belles théories, des choses comme ça, des grandes connaissances et tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on n'a jamais. C'est l'expérience et c'est le jugement sur la situation. Les participants à qui on parle, on les rejoint puis on essaie de les rejoindre. C'est aussi une partie de ce qu'on veut faire. Mais on ne pourra jamais les rejoindre si on n'est pas capable d'absorber et de comprendre le sens de leur expérience et comment est-ce qu'ils jugent et ils balancent les choses dans leur tête ou comment ils équilibrent les choses quand ça se passe. Et ça, c'est toujours les participants qui le savent. Les gens qui vivent les choses, parfois les parents d'eux, puis si on a des gens qui sont plus isolés, mais on est toujours, on doit avoir un contact avec la réalité si on veut aussi les rejoindre. Parce que souvent, on n'est pas contemplatif par rapport à nos recherches. Nos recherches sont aussi des interventions. Ben, on fait partie du paysage, en fait. On n'est pas neutre. Même on peut être très rigoureux, on peut être très indépendant, mais on est sur l'échiquier quelque part. Et c'est sûr qu'on est politisé, parce que, pas qu'on est politisé, notre sujet d'étude est politisé, et on va récupérer le discours scientifique à différentes sauces. Les décideurs vont vouloir l'utiliser peut-être pour avancer certaines lois, prendre certaines décisions, approuver certains projets. Ben, la population aussi a besoin de nos données pour avoir leur juste. Quand je parle de construction du risque, des fois, on construit un discours moral qui est alarmant. Et nos données, peut-être, amènent les gens vers ce que c'est la réalité, effectivement. Et par exemple, au niveau du jeu, c'est sûr que le jeu a été intégré dans le discours religieux, dans le discours moral, du vice à la maladie. Et je pense que nos données, des fois, on a tendance à penser, je me rappelle de ce café scientifique que j'ai tenu ici à Concordia il y a quelques années, puis j'ai demandé aux gens, combien vous pensez il y a des gens dans la population qui ont un sérieux problème de jeu? Et ça montait à 30%, 40%. Et effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Je ne minimise pas le problème, mais... C'est combien? Oui, c'est pas. On parle entre 3 et 5 % pour les gens qui ont vraiment besoin de traitement. Et on parle à peu près d'un 10-15 % de gens qui peuvent vivre des méfaits à un moment donné dans leur vie. On est loin du 30 % et du 40 %. Donc, je pense que si on revient au risque, ben, vous savez, le baromètre pour le risque est très variable. Donc, nos données viennent peut-être juste recalibrer ce baromètre-là qui peut errer des fois. Selon les tendances, selon les croyances, selon la culture aussi. Je trouve ça fascinant parce que vous évoquez des données, vous travaillez aussi vraiment à partir de données, d'analyse quand même assez rigoureuse de transversale, de questionnaire. Comment traduisez-vous ces données en discours? Comment donnez-vous les outils aux politiciens et aux gens qui vont éventuellement décider de ces choses de manière à ce qu'ils sachent lire les données, à ce qu'ils saisissent bien les conclusions? Comment ça se fait? Donc, comment pratiquez-vous votre recherche pour qu'elle ait le plus grand impact possible donc, sur la société? Mais je pense que c'est en
personnifiant la voix de nos, des personnes pour qui on, avec qui on travaille. OK. Si vous cherchiez pourquoi j'étais passé des mathématiques froides à la communication chaude, c'était pour donner la voix aux personnes qui, étaient vulnérables et qui n'avaient pas le, la voix sur, la place publique. Oui. Pour moi, la statistique à la base, c'était la, la majorité silencieuse qui pouvait s'exprimer, mais aussi ça peut être la marginalité très silencieuse qui devrait pouvoir s'exprimer, que je cherche à personnifier là-dedans. Oui. Et c'est quand je, si je fais une présentation, un mémoire, une commission, quelque chose comme ça, c'est ce que je vais essayer de donner. Je vais pas donner, je vais donner des grands chiffres là parce qu'il y en a qui carburent seulement aux grands chiffres. Mais si je veux être touchant, si je veux permettre à des gens de, d'arriver à comprendre des situations, on va le faire avec des gens qui ont du vécu ou avec, une personnification du vécu parce qu'on la rapporte pour les autres. C'est comme ça que le Québec, par exemple, dans les années 90, est devenu un des premiers lieux où est-ce qu'on a pu avoir de l'adoption par des homosexuels d'enfants pour devenir parents. Ou devenir coparents, donc toute cette histoire-là, c'est, ça a débuté par le fait que des enfants qui étaient des enfants de familles homosexuelles n'avaient pas le droit à l'école de dire qu'ils avaient des beaux-parents puis qu'ils étaient fiers d'eux. Puis ça a touché les gens en politique, à la commission parlementaire, et c'est là que la, la filiation a été reconnue comme étant nécessaire. Mais je pense que c'est la même chose pour tout ce qu'on fait. Si on peut être touchant, si on peut être si on peut donner un réalisme à la situation, on montre aussi tout l'équilibre, toute la, la situation qui fait que quelqu'un est en situation précaire. Mais ça n'empêche pas qu'elle a, qu'elle a besoin de dignité. Ça n'empêche pas qu'elle soit dans une situation où est-ce qu'elle va contrôler ses risques du mieux qu'elle peut. Puis, si elle n'est pas capable de sortir de la précarité, elle va essayer aussi de montrer son intelligence et de sortir du pétrin elle-même. Moi, peut-être que je rajouterais que il y a toujours un risque de sortir des données, parce que les décideurs aiment les chiffres, ils n'aiment pas les verbatims, ils n'aiment pas la narration d'histoires de vie. Ils sont vraiment, les chiffres sont très attrayants pour eux, ils sont avides de chiffres pour prendre leurs décisions, et c'est simple, c'est un chiffre, puis on se base là-dessus. La science a dit ça, donc on est, il se protège en quelque sorte. Pour nous, c'est un défi, parce que le chiffre en soi, tout seul, quand on sort des données de prévalence, des problèmes de jeu, ben, peut-être que l'Auto-Québec va interpréter ça comme un faible niveau. Alors, ça légitimise toutes ces stratégies de promotion, d'expansion de l'offre, etc. Donc, le ministère de la Santé va l'interpréter différemment. Pour nous, on passe beaucoup de temps à contextualiser les chiffres et à les interpréter avec eux. Donc, on sort les chiffres, on prend le temps de les contextualiser et d'expliquer ce que ça veut dire. Encore là, on prend aussi des exemples de vécu des gens. Mais ce qu'on fait beaucoup, c'est d'interpeller aussi certains décideurs à nous accompagner. On les garde dans la boucle de conversation quand on mène nos projets. Donc, ils ne sont pas surpris, mais ils se sentent investis des fois dans des projets, pas qu'ils aient un droit de regard ou une position décisionnelle, mais en même temps, il faut qu'ils s'approprient. Puis, il y a une culture de recherche qui doit être apprivoisée aussi par les décideurs, avec toutes les limites. Des fois, ils veulent des réponses, on ne peut pas donner de réponses. La recherche, elle est lente, la recherche a besoin de temps. Donc, je vous dirais, cette voie de communication qu'on garde avec les décideurs nous permet peut-être de calmer un peu les attentes, puis aussi les emmener à réfléchir avec nous. Je donne l'exemple, il y a eu pendant des années une utilisation du terme « jeu responsable » pour dire « ah, on fait du jeu responsable ». Ben, pour nous, comme chercheurs, on essaye de défaire ce langage-là, parce que la responsabilité n'est pas juste sur la personne. On est dans un esprit de « le joueur est responsable ». On fait du jeu responsable, c'est-à-dire on donne au joueur des outils pour qu'il contrôle son jeu, mais ça,
enlève toute la responsabilité à tous les autres acteurs qui, eux, offrent le jeu, encadrent le jeu, établissent des normes et des règles et des lois autour de l'offre de jeu. Donc, il y a une sensibilisation qui s'est faite à travers le temps pour expliquer pourquoi. Nous, comme chercheurs, on trouve que le joueur se sent stigmatisé. Ce terme-là ne permet pas d'avoir des politiques publiques au-delà de l'action individuelle. Donc, je vous dirais, il y a comme un travail de longue haleine qu'on doit entreprendre avec les décideurs, pour ceux qui veulent nous écouter. Oui, mais c'est fascinant parce qu'on évoquait tout à l'heure un travail de co-recherche avec les communautés et vous évoquiez tous les deux donc ce travail d'accompagnement, presque de compagnonnage dans le sens médiéval du terme, avec les décideurs. Et je vois très bien effectivement ce travail de traduction que vous faites, de responsabilisation, non pas seulement des gens qui se trouvent dans des situations à risque, mais aussi des décideurs par rapport aux conditions qu'on crée. Gilbert, vous évoquiez tout à l'heure le plaisir du risque aussi. Et Ben, c'est le bien plaisir des aussi. choses qui amènent du risque. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Bon, m'en venant ce matin, je relisais David Le Breton, donc Passion du risque, il évoque justement cette notion de l'ordalie. Ce qui est assez fascinant, c'est essentiellement c'est un jeu avec le risque, d'une part, d'autre part, c'est être conscient du regard qu'on porte. Bon, on parle de Dieu, mais du destin, de la société essentiellement sur les gestes risqués. Mais c'est aussi souvent structuré de manière à suggérer un rite de passage, une certaine sacralisation donc de ce risque-là. Dans vos recherches, est-ce que vous voyez ce genre de comment dire de rite qui rendent possible le risque, de rite intégré donc au Il y a une jeu? initiation. Ah On oui. s'initie au risque, on le voit croître, on a un développement. Par exemple, les gens à 18 ans connaissent personne qui est séropositif. Alors, ça D'accord. n'existe pas le VIH pour eux. Et à 25 ans, ils ont eu quelques expériences un peu plus originales, disons, plus risquées. Mais ils n'en ont pas vu de personnes qui sont VIH. Pourtant, quand ils arrivent à l'âge de 45 ans, la communauté est aussi infectée aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans. À 15% de la communauté gay qui était infectée au VIH. Pourquoi? C'est parce qu'on avait confiance dans ce qu'on a développé. On s'est initié à des plaisirs, à des choses comme ça. Et avec le temps, on a pris plus de risques, mais on a peut-être relâché aussi notre vigilance D'accord. face aux risques. Oui. Et ça fait que les choses s'entretiennent exactement comme elles étaient autrefois. On est des compagnons, les gens qui font de la recherche participative ou de la recherche avec les communautés, on est des compagnons de la communauté. Je me suis déjà fait dire par quelqu'un qui était un peu ignorant en éthique que non, non, il faut contacter les gens et puis on ne leur reparlera jamais. Je m'excuse là, Ah oui. c'est devenu mes amis. Je veux dire, c'est les gens avec qui j'ai des loisirs, avec qui je vis. Je vais pas, je suis homosexuel, j'ai une communauté à laquelle j'adhère. Je fais de la danse synchronisée avec un flag gay dans le derrière, si vous voulez, là, c'est ça. Je veux dire, je suis aussi un participant à la vie, mais je suis aussi un chercheur qui accompagne ma communauté, mes communautés, puis plus ça va, plus c'est large. Mais les recherches que je fais aujourd'hui sont possibles parce qu'il y a 25 ans, j'ai connu les gens qui sont à GAPVI, qui sont les gens qui s'occupent des communautés haïtiennes et noires à Montréal pour le VIH. Et maintenant, je suis capable de trouver des façons de faire de la recherche qui les aident. Je ne suis pas dans une recherche qui les observe juste gratuitement, mais je peux faire une recherche avec eux. Parce qu'il y a eu un manque, parce qu'on doit arriver à d'autres choses. Donc, on est investi là-dedans. Et on est là, on est présent. J'ai C'est perdu très votre clair, question. ça s'entend et oui, tout à fait. Vous rapportez l'humain au centre de tout.
ce que j'apprécie énormément. Je suis certain que je ne suis pas le seul. Sylvia, vous vouliez ajouter aussi? Ben, je voulais dire qu'on parlait d'Ordali. Oui. Je pense que beaucoup de gens pensent que les joueurs, surtout les grands joueurs, sont oisifs de gains et d'argent. Oui. En fait, ce que le joueur recherche, c'est le risque. Un peu même pas le risque, c'est ce moment-là où on fait une mise, puis on attend un résultat très rapide. Et la mise peut être tellement importante qu'on peut tout perdre, mais on peut gagner gros aussi. Et quand un joueur gagne, il n'est pas heureux du gain. Il est heureux parce que du gain. Il est heureux parce qu'il va être capable de jouer encore plus et de faire perdurer le plaisir et cette prise de risque. Et je pense que ça, c'est important. Donc, c'est vraiment, il y a une relation au risque et au matériel qui est un peu particulière avec les joueurs. Au niveau du rite de passage, je pense que ce qu'on observe, il y a beaucoup d'encadrement du jeu dans notre société. Même d'autres formes de consommation qu'on considère avec un risque de méfait et de dépendance, on réglemente l'âge légal. Donc, c'est à 18 ans. Beaucoup de gens, quand ils ont 18 ans, ils vont au casino ou ils vont s'acheter un billet de loterie parce que c'est légal. On a moins de ce rite, on observe beaucoup de ce rite de passage avec l'alcool, chez des adolescents, chez les jeunes adultes. Ça fait partie de leur culture, de leur socialisation. Ben, pour le jeu, on l'a moins et ça se manifeste plus tardivement dans la vie, surtout entre 45 et 65 ans, que les gens, ou mettons aux alentours de 45, que les gens commencent vraiment à faire ce rituel d'être plus assidus dans leurs activités de jeu, à intégrer plus de jeux au quotidien, parce que les moyens financiers sont plus présents, parce qu'il y a pour beaucoup de gens des évolutions dans leur vie, soit au niveau du travail, soit au niveau des responsabilités familiales, etc. Et donc, je vous dirais, on ne voit pas vraiment de rite de passage particulier pour le jeu. Oui, ouais. Okay. Mais je l'observe aussi quand même. Je connais un joueur de poker qui dans ses premières années d'effervescence, il a appris. Il s'est fait un groupe avec lequel il est confortable pour jouer. Et là, il y avait comme une espèce de graduation quand il était invité à aller à un tournoi. Et là, ils étaient 300, puis là, ils sont restés 30. Il y a comme une gratification à cette croissance-là. C'est sûr qu'il y a des stades d'initiation. Et certainement qu'on trouve ça beaucoup plus dans des jeux comme le poker, où il y a un genre de clubs ou de gens qui se retrouvent. Il y a quand même toute une construction de l'identité qui se fait autour de ce jeu-là, où il y a plus de parts d'habileté. Et certainement qu'on a étudié des stades vers lesquels les gens évoluent dans les pratiques de jeu. Et avec les machines à sous, c'est la même chose. Les gens... Mais ce que les jeunes nous disent, par exemple, et j'aime pas beaucoup parler de ces études-là parce qu'ils sont très, je dirais, comme si on établit des stades bien définis d'initiation et d'évolution. Mais pour certaines activités, les jeunes sont initiés au jeu aussi par la famille. Et donc, ce qui semble être important, pas l'initiation avec la famille, mais cette exposition, puis l'expérience d'un gain marquant au début de sa vie. Ou au début de son expérience de jeu, semble avoir quand même un point déterminant pour l'évolution des choses. Si j'achète un billet et je gagne 10 000, il y a nécessairement une histoire qui va se construire dans mon interprétation de la réalité et du hasard et de tout ce qui vient autour. Il y a un certain vertige qui vient avec ça. Absolument. Et peut-être pour conclure, on évoquait, avant d'entrer en onde, l'ouverture potentielle d'un salon de jeu donc au Centre Bell. Donc c'est dans les nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme effet, comme impact? Donc, on évoquait tout à l'heure
l'initiation à la, au jeu par la famille, donc avec la famille, donc on est en plein dans un tel contexte. Et vous évoquiez aussi une certaine ségrégation du risque. Et là, on défait cette ségrégation du risque. J'aimerais vous entendre là-dessus dans les quelques minutes qui nous restent. Il y a plusieurs enjeux autour de cette décision-là. Puis, personnellement, ça me préoccupe. Oui. Et je réaffirme un peu que ma réflexion est vraiment autour du joueur et autour de la communauté, puis du bien commun. Quand on pense au jeu, on sait que, juste pour vous lancer quelques chiffres, il y a à peu près 3% des joueurs qui sont responsables de 30% des revenus qui sont générés par le jeu. Ah oui. Et quand on parle des appareils de loterie vidéo ou des machines à sous, on a à peu près ce 3% qui génère 76% des revenus. Donc, on comprend très vite qu'il y a une concentration quand même des dépenses et des problèmes de jeu. Et si on regarde un peu le profil des gens qui sont le plus touchés par ces grandes dépenses, c'est les milieux plus défavorisés et c'est déjà les personnes qui ont le plus de problèmes de jeu. Donc, il y a comme une spirale qui garde ces gens-là dans un univers qui pousse, ou qui, je dis qui pousse parce que c'est l'offre aussi qui vient bombarder les gens. Donc, la proximité de l'offre, sa disponibilité, c'est des facteurs importants à ne pas négliger. Et quand on parle du Centre Bell, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de parachuter un espace où il y a beaucoup d'appareils de jeu dans un quartier qui, en partant, est un quartier parmi les plus défavorisés sur l'île de Montréal. On est en train de rapprocher des machines du casino vers la population. Donc, on augmente la proximité, on augmente l'accessibilité. Et au Centre Bell, j'ai fait l'exercice. J'ai dit, au mois de mars, il y a combien d'événements? Il y a 15 événements qui attirent à peu près 21 000 personnes. On est en plus de 300 000 personnes qui transitent par le Centre Bell. Et on leur dit, ben, vous allez dans un lieu de divertissement et voici les jeux de hasard et d'argent qui sont une forme de divertissement qui peuvent s'intégrer dans vos sorties. Je suis d'accord que c'est du divertissement, mais les appareils de loterie vidéo ne le sont pas pour tout le monde. Il y a vraiment un risque, on parle de risque, et un risque quand même assez réel et important. Et je finirai en disant, cette alliance avec une équipe très emblématique, qui est le Canadien de Montréal, fait en sorte qu'on est en train de c'est un spillover, c'est-à-dire qu'il y a comme, on insère les jeux dans un contexte qui est quand même favorable, perçu positivement. On sait très bien que quand on fait ce genre de promotion avec des sportifs qui sont très appréciés ou des équipes sportives qui sont appréciées, ben, il y a une banalisation aussi du risque et il y a, ben, c'est ça, une normalisation un peu de cette activité-là. Une certaine valorisation et vous évoquiez donc le slogan « le jeu responsable », on peut se poser la question à savoir à quel point c'est responsable de créer ces conditions. Je vous remercie. On est vraiment, on a débordé. Vous avez tellement de choses fascinantes à nous dire. J'aimerais vous remercier d'avoir partagé ce moment avec nous, de révéler aussi à quel point vous vous préoccupez donc de l'humain dans une société qui n'a pas à gérer tout seul donc ces situations de risque. Merci. Merci Sylvia. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Merci. Merci. J'aimerais, si on est encore en onde, j'aimerais peut-être rappeler aux gens que la prochaine rencontre, la prochaine conversation aura lieu le mercredi 29 mars. We'll see you on Wednesday, March 29th. For 3 conversations with physicists and chemists. It will be a fascinating conversation yet again. Thank you. Thank you, Anna. Wonderful. Well, thanks very much, everybody. We're going to say goodbye to the folks who've joined us on Zoom and the folks in this space. Thanks so much for being here today. And of course, to our special guests, we appreciate you coming in. And we will remind you that this conversation has been live streamed to YouTube, so it's already available on Concordia University's Four Space YouTube channel if you'd like to revisit it or share with colleagues on social media, etc. Okay, until next time, bye everyone.